Hello tout le monde! Écoutez, euh, désolé d'être arrivé un petit peu en retard, j'ai eu des gros problèmes avec euh, mon ordi, le son, internet, enfin bref, c'était la misère là ces derniers jours, et donc du coup euh, j'ai même failli allumer, mais tout est rentré dans l'ordre. Et, euh, et voilà quoi, donc euh, là je vois euh, que euh, je me suis dit déjà là que ça faisait depuis deux semaines qu'on s'était pas fait pourrir par aucun bot et que c'était cool quoi qu'on passait entre les mailles du filet parce que j'en ai vu plus un gire euh, ces derniers temps et le bot de Tommy euh, vient de se faire surclasser par euh, Pebrien432 euh, et le euh, Zootrap. Donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on va aborder un petit peu genre d'autres langages. Et euh, ce que j'ai choisi comme langage, ça va être le... enfin, c'est le JavaScript. Et pourquoi le JavaScript Parce que c'est de loin mon langage préféré. Donc euh, très clairement, ça doit être le langage que j'utilise le plus au quotidien pour, pas forcément pour faire des, des projets, mais en tout cas pour, pour tenter des algos et faire des choses. Et je trouve que le langage est assez, assez chouette. Euh, Qu'est-ce que j'en pense de jQuery J'en pense que euh, c'est fait plus, enfin, ça fait, euh, c'était très bien il y, a, il y a 7, 8, 10 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, ça doit être un petit peu euh, laissé, euh, ça doit être un petit peu abandonné en fait. Je pense qu'il y, y a, plutôt des trucs, hein, pour faire de, de l'interface graphique euh, de l'IHM, je pense que les gens sont plus passés sur du euh, React ou euh, React Native ou des choses de ce style. Mais euh, voilà, moi j'en pense que ça fait au moins 10-15 ans que je l'utilise plus. Et puis euh, plusieurs raisons à cela. La première c'est que je fais rarement du web en fait. Donc euh, moi j'utilise du JavaScript mais pas pour faire du web, pour faire des, des, de la programmation plutôt en Node.js côté, côté serveur plutôt que côté client euh, web. Donc euh, l'idée euh, qu'il y a aujourd'hui c'est que je me suis dit... Euh, pourquoi est-ce que euh, je choisis un autre langage euh, C'est parce que en fait, j'aimerais bien qu'on puisse aborder un peu d'autres, euh, types d'algo, et euh, notamment des algos plutôt orientés euh, intelligence artificielle ou, euh, ou jeux vidéo ou euh, euh, des domaines qu'on n'explore pas forcément euh, souvent. Et enfin, euh, souvent là, dans le cadre tout cas de, de, de ce que vous faites, et, euh, et en fait, rester à faire des choses en C, c'est très complexe parce que en C, on doit en même temps réaliser notre algo et en même temps euh, mettre des lignes de programmation plutôt techniques sur la gestion de la mémoire, la mise en place de structures, etc. Donc euh, là, l'idée c'est qu'on va utiliser un langage qui propose ce genre de choses d'entrée de jeu pour pouvoir réaliser des choses assez chouettes et euh, assez cool assez rapidement. Donc euh, l'objectif à terme de, de, ce, de ce live, en fait, c'est d'implémenter un puissance 4, mais un puissance 4 qui va se jouer en mode deux joueurs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui joue contre l'autre. Et en fait, à terme, cette première base de puissance 4, elle va nous servir à réaliser ce que vous voyez là, ce qui est en train de s'animer sous les yeux. Là, c'est quoi là, ce qui est en train de s'animer sous les yeux Alors attendez si j'essaye de voir où est-ce que j'ai mis ça dans mon code. Hop ça doit être là dedans, document et en fait c'est quoi C'est un puissance 4 qui se joue à qui se joue à plusieurs qui est configurable pour jouer à plusieurs personnes et, euh, et qui se joue à plusieurs personnes mais aussi qui se joue à plusieurs personnes en mode euh, en mode euh, alors attendez si je recharge cette page qu'est ce qui va se passer il va se passer qu'il qu ne se passe plus rien donc, c'est un puissance 4 qui se joue à plusieurs, comme je viens de vous le dire, et qui a des intelligences artificielles. Donc, là, je l'ai configuré en mode. Il y a combien de players Il y a un player 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 players qui sont tous les, euh, tous les 6 en train de jouer en mode euh, intelligence artificielle. Donc, si je réduis le truc à 2 players. Là je rafraîchis. Vous voyez que là il y a deux players seulement. Je vais réduire la taille de ma grille. Là on va refaire une grille de 7 par 6. Comme ce qu'on peut trouver habituellement dans un, dans un... Vous voyez que là le rouge gagne. Alors il y a des petits bugs. La rouge gagne encore. La rouge vient de gagner encore. Mais par exemple si je donne plus de puissance de calcul à jaune. Bah, vous voyez que jaune euh, gagne quoi. Donc euh, l'idée c'est de euh, c'est de, euh, de, de refaire en fait, cette intelligence artificielle dans le cadre d'un prochain live. Mais dans un premier temps, c'est de commencer à aborder les bases euh, du JavaScript pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Donc euh, l'algo que je voudrais faire à, à terme, c'est celui-là, c'est le Monte... Monté. Pardon. Carlo Research... Et en fait, c'est un algorithme qui permet de, de faire une intelligence artificielle qui est plutôt optimisée. C'est des choses qui sont plutôt utilisées en ce moment, euh, euh, qui sont plutôt utilisées, type, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de AlphaGo0. C'est euh, l'intelligence artificielle Google qui joue au, au jeu de Go et qui a appris euh, à jouer au, au jeu en mode sans connaître les règles. Et typiquement, c'est des algorithmes de type euh, Monte Carlo Tree Search qui sont euh, mis en place pas seulement, mais on va dire qu'une grosse base de ça euh, est, est utilisée. Quoi. Donc tu lui donnes un temps et des ressources limitées pour répondre. Oui, là, typiquement, je leur dis, alors je ne me souviens plus de ce que je faisais ici. Euh, là, je peux lui donner un temps, mais là, ce que je fais, c'est que je lui donne un nombre d'itérations. C'est-à-dire que lui, il va essayer d'itérer une centaine de fois sur une centaine de coups. Donc, alors que lui, il va essayer de faire dix mille coups. Et évidemment, en, en essayant de voir parmi 10 000 coups possibles quel est le, le coup le meilleur, bah, en général, jaune a plus de chances de gagner que rouge parce qu'il essaye plus de coups. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va, qu va gagner à tous les coups. Mais il y a de fortes chances qu'il euh, qu batte rouge euh, 99% du temps. Donc l'idée c'est d'avoir cet objectif là à terme mais aujourd'hui ce qu'on va aborder c'est les, les bases du langage euh, javascript pour réaliser ce, cette IA dans, dans un deuxième temps donc alors je reprends un peu mes notes hop donc le javascript alors attendez le javascript pour euh, donc c'est un langage qui donc comment il choisit tous les coups possibles, les 10 000 coups qu'il considère, on en parlera une autre fois, mais on en parlera une autre fois. Là, je vais vraiment aborder les bases du, euh, du JavaScript pour qu'on puisse faire justement cet algo dans un, dans un prochain stream. Donc, lorsqu'on fait du JavaScript, c'est un langage qui, comme son nom l'indique, est un langage de script. Et un langage de script, c'est quoi c'est un langage qui n'a pas besoin d'être compilé pour euh, fonctionner. Et souvent, ces langages de script, lorsqu'ils viennent, ils ont souvent un interpréteur avec eux. Donc là, vous avez un interpréteur qui s'appelle Node.js, que l'on peut démarrer ici. Mais vous avez tous un interpréteur JavaScript dans votre navigateur. Et En général, lorsque vous faites. Euh, par exemple, si j'utilise. Bon, bah là, j'ai utilisé Chrome. Si j'utilise Chrome, que je fais clic droit et que je fais inspecter, que je vais dans la console. Vous voyez que dans la console, là. Alors, attendez. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, parce que là dans ma console j'ai des, euh, des choses qui tournent parce que j'ai mon, mon IA qui tourne. Donc là dans la console, vous voyez que ici je peux taper des choses. Euh, 12 plus 34 égale 46, etc. etc. Donc ce sont des choses que je peux taper en fait dans la console. Oui exactement, c'est comme le, comme le Python. Donc ce sont deux langages. Interpréter et les langages interprétés, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'interpréteur, en fait, il va lire les commandes au fur et à mesure et il va les exécuter. C'est assez différent des langages compilés comme du C qui euh, nécessitent un compilateur qui va lire l'ensemble le, du code source, qui va fabriquer un binaire et euh, qui va pouvoir se lancer. Là, le binaire, c'est l'interpréteur et l'interpréteur, il prend le programme à déchiffrer et il le déchiffre à la volée. Donc, ça ne fabrique pas un binaire. Enfin, on pourrait imaginer quelque chose qui fabrique un, un, un binaire, mais ce n'est pas l'objectif d'un langage scripté. Donc ça amène différentes, différentes, comment dire, différentes fonctionnalités. Euh, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc si je regarde un peu dans mon interpréteur, donc moi j'ai installé Node.js. Pour installer Node.js ce que je, ce que j'utilise en général, euh, j'utilise quelque chose. Alors attendez, je vais sortir de là, parce que j'ai les en plein écran et du coup je comprends plus ce qui se passe. Chromi dégage. Et ce que j'utilise, moi en général, j'utilise un truc qui s'appelle NVM. Donc lorsque on va sur la page de NVM, euh, il nous dit comment l'installer. En général, pour l'installer, lorsqu'on est sur, sur Mac ou sur Ubuntu, euh, enfin sous Mac ou sur Linux, pardon, on a juste soit cette commande à lancer, soit cette commande. Ça va vous poser quelques questions. On vous dit de rajouter quelques petits trucs dans votre bashrc ou de votre votre bashrc pardon à la racine, votre point profile ou votre point zshrc. Et euh, derrière, ça vous permet d'accéder à une commande qui s'appelle nvm, qui lui va se charger d'installer une version de Node.js. Donc euh, là, je rentre pas trop en détail euh, là-dedans, mais euh, essayez de regarder un peu de la doc euh, là-dessus pour l'installer. Et venez me voir directement si vous, si vous avez des soucis en, me, en vous adressant à moi directement si vous rencontrez des problèmes là-dessus. Donc moi, j'ai installé une version de Node. Ma version de Node, c'est la 12 quelque chose, je pense. Voilà, la 12.16.6. Et puis, lorsque j'appuie sur Node, bah là, je me retrouve dans ce qu'on appelle l'interpréteur de commandes du, euh, du, euh, du, euh, du langage euh, enfin de, de Node.js. Et donc là-dedans, je peux écrire des, des commandes. Et donc les commandes, je peux écrire des nombres, des choses, etc. Donc je peux déclarer des variables. Donc par exemple, ma variable a, je peux lui assigner 42. Donc si si je fais a entrer, vous bah voyez que a il vaut 42. Si je fais b entrée il me dit que la variable b n'existe pas pour le moment. La variable b, je peux aussi la, la variable a, je l'ai déclarée comme ça, mais j'aurais aussi pu la déclarer comme ça en utilisant le mot clé var. Vous allez voir euh, les petites différences euh, là-dessus. Donc ça, le mot clé var, le fait de le mettre ou pas, c'était euh, l'ancienne façon de, euh, de, euh, de faire du, euh, du JavaScript. Aujourd'hui, on utilise plutôt deux autres mots clés. C'est soit le let. Donc par exemple dans b, je peux lui assigner un booléen, donc un booléen c'est quelque chose qui peut valoir soit true soit false. Donc si je fais B entrer, vous voyez que B il vaut true. Et euh, B par, par contre je peux le changer et je peux lui mettre une autre valeur. Et maintenant B il vaut false. B je peux lui mettre la valeur de A. Donc c'était un booléen et maintenant B ça devient un entier. Donc les, 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 souvent dans les langages de script, les variables ne sont pas typées. C'est à dire que contrairement au C où lorsqu'on déclare une variable on, en, on doit lui dire... Quel est le type de cette variable Est-ce que c'est un int Est-ce que c'est un char Est-ce que c'est un pointeur vers une structure, etc. etc., Là, les variables, elles sont pas typées. En fait, les variables, elles sont du type de la valeur qu'elles contiennent. Donc, elles peuvent passer de je contiens une, euh, un entier, un instant t, et puis après je contiens un booléen, et puis après je contiens une chaîne de caractères, etc. etc. Donc, là, on peut euh, déclarer des variables. Et euh, les variables, en fait, on les déclare en leur assignant directement une variable, euh, une variable donnée. Donc, j'ai déclaré des variables A et B qui sont euh, mutables. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut changer leur valeur. Vous voyez qu'à euh, un instant T, B là, il vaut euh, 42, mais je peux lui réassigner la valeur true. Donc, vous voyez que B, j'ai réussi à lui changer sa, sa valeur. Maintenant, je peux lui remettre un 42, et puis euh, je peux lui remettre un false. Ok donc, je peux aussi déclarer des variables qui sont constantes. Pour pouvoir déclarer une variable constante, je déclare la variable. Donc, la première fois que je l'appelle, eh ben, je lui dis que c'est une constante. Et d'ailleurs, euh, je lui dis que c vaut 123. Donc, c, il vaut 123. A, il vaut 42. Donc, si je fais c plus a, ça vaut bien euh, le, le, le résultat de la somme. En revanche, ici, comme c était constante, je ne peux pas lui assigner une nouvelle valeur. Là, il me dit que bah, je ne peux pas assigner une nouvelle valeur à une variable qui a déjà été déclarée comme étant constante. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est. Euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est peut-être un petit peu différent de ce que vous êtes amené à faire dans le cadre de la programmation un peu plus traditionnelle en, en C, même si les, les, les variables constantes existent en C. Euh, voilà un petit peu ce, ce qu'on ce, ce qu peut faire là-dessus. Euh, donc là, pour l'instant, on a vu qu'on peut manipuler des nombres. On peut manipuler aussi des, euh, des, euh, des euh, nombres à virgule. Vous voyez, B vaut 3,22. Euh, on peut aussi bah, additionner des nombres entiers et des nombres à virgule. Bah, du coup, là, si j'additionne A plus B, eh ben, vous voyez que je récupère un nombre à virgule. Si j'additionne euh, B plus... Euh, 8,2, et ben il a réussi à comprendre que 3,2 euh, plus euh, 0,8 ça redonne l'entier 4. Donc euh, là tout seul il arrive à convertir des entiers vers des nombres à virgule et puis des nombres à virgule vers des entiers euh, lorsqu'il le souhaite. On peut aussi essayer de faire des trucs un petit peu bizarres. Vous voyez que A il vaut 42. Si je lui additionne True, et ben euh, il considère que True bah, finalement c'était 1 et donc il lui, euh, il lui ajoute un 1. Si je fais A plus False. Bah, il a réussi à s'en sortir plus ou moins. Donc il euh, y a des petites choses un peu comme ça qui sont un peu bizarres. Mais euh, voilà, verrez à l'utilisation euh, euh, comment éviter ce genre de choses. Euh, et puis, donc on a dit qu'on a des Antilles, on a des domes à Virgule, on a des Bouléens. Et puis on a des choses qui sont euh, très intéressantes, qui, qui sont des chaînes de caractères différemment. Contrairement, on sait... On n'a pas vraiment le type chaîne de caractère. On est obligé de dire qu'une chaîne de caractère, c'est un tableau en mémoire dans lequel vont euh, s'écrire euh, différents codes ASCII les uns la suite des autres pour terminer par le code ASCII euh, basse-clash 0 pour symboliser la fin de cette chaîne de caractère. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe à manipuler. Bah, là, en revanche, en, en JavaScript, bah, directement, on peut lui dire « hop Hello, c'est euh, D, c'est la, la, la chaîne de caractère Hello. » Et puis, euh, je peux faire même des A plus D. Donc si je fais A plus D, et eh ben en fait, il a réussi à se dire, il se dit, oh, ok, là j'ai un nombre, euh, j'ai une chaîne de caractères, lorsque je les additionne entre les deux, bah, qu'est-ce que je vais faire bah, je vais convertir ce nombre en chaîne de caractères, et puis je vais euh, concaténer ces deux chaînes de caractères. Et puis je peux même faire un plus trou. Ok Donc il a réussi. Donc je vais peut-être mettre en un peu plus gros. Euh, il a converti, grosso modo, comme dans la... Dans, dans la les, euh, comme les opérandes... Sur le, sur le plus, il y en a un où c'est une chaîne de caractère, bah, il, il considère que tous les autres, on va les convertir en chaîne de caractères, leur représentation sous forme de chaîne de caractères pour concaténer toutes les chaînes de caractères. Euh, quelque part, si tu trouves bizarre le résultat de 42 plus trou, ce n'est pas qu'à un moment tu. C'est qu'à un moment tu l'avais pas codé, donc. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se retrouve dans, euh, dans la situation où on additionne des choux, des carottes et euh, des Coca-Cola, bon, bah, à un moment donné. Euh, Peut-être qu'il y a un problème déjà dans votre algorithme en lui-même. Mais tout ça pour vous dire que, bah, finalement, euh, le fait qu'il n'y ait pas de type euh, fait que bah, l'interpréteur arrive quand même à retomber sur ses pattes. Euh, merci fluids9112 euh, pour ton follow. Donc voilà un petit peu les types euh, par défaut qu'on a, ce qu'on appelle les types scalaires. Donc euh, des types euh, simples, entiers, chaînes de caractères, booléens, euh, nombre flottants. Et, euh, et voilà. Donc pour l'instant, voilà un peu ce qu'on qu est capable de faire. Et puis les variables, on est capable de les déclarer comme étant mutables en utilisant le mot-clé var ou let. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le mot let. Le mot var, c'est euh, un reliquat du passé de, 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 de JavaScript. À une époque JavaScript, toutes les, euh, toutes les variables étaient mutables. On pouvait les modifier. Et donc on les déclarait en utilisant le mot-clé var. Mais depuis euh, la, la version euh, 6 du langage, euh, on a introduit le mot-clé const qui permet de dire.. La variable, elle peut être mutable ou non, en utilisant soit le mot-clé const ou soit le mot-clé let. Donc aujourd'hui, on utilise plutôt les, les mots-clés let ou, euh, ou const. Donc, euh, c'est possible de forcer une variable à rester sur un type sans qu'elle qu soit constante euh, Pas à ma connaissance. Euh, je, je ne pense pas. Le, 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 le langage, il n'est pas. Euh, euh, non, en revanche, on est capable de connaître le type d'une variable. Euh, on a quelque chose, c'est d'ailleurs un opérateur qui existe aussi en C. Euh, L'opérateur type of, il est capable de nous dire quel est le type d'une variable. Et vous voyez qu'en fait, euh, si je fais type of 12, il me dit que 12, c'est un nombre. Et 12,23, il me dit aussi que c'est un nombre. Donc vous voyez que finalement, en fait, il n'y a pas une histoire d'entier. Ou de nombres à virgule, pour lui, les entiers et les nombres à virgule, c'est exactement la même chose. Ce sont des nombres. C'est juste que leur représentation graphique. Lorsqu'il voit qu'on est tombé sur un entier, lorsque son nombre est entier, donc il n'a pas de partie après la virgule, et ben, lorsqu'il l'affiche, il va l'afficher sans euh, le point, avec des décimales derrière quoi. On peut quand même décider si on veut un int ou autre. Bah en fait tu décides Zatox ce que tu veux au moment où tu l'assignes à la variable. Quand A, si A tu veux que ça soit un nombre, bah tu lui assignes un nombre et puis voilà, A sera un nombre. Si je fais un type of A, A c'est un nombre. En revanche, si je dis que A est égal à true, et que je fais type of A, bah là il me dit que A est un booléen. Et puis maintenant si je lui dis que A c'est la chaîne de caractère plus vide plus true, donc A il vaudra la chaîne de caractère true et je refais un type of et ben il me dit que a ah, du coup c'est une string ok donc voilà un petit peu euh, ce qui se passe pour les types euh, scalaires donc euh, ce que je vous dis les types scalaires sont les types euh, euh, qui n'ont pas d'autres particulier que d'avoir une valeur euh, maintenant on a deux types qui sont assez intéressants euh, en javascript le premier c'est le type euh, tableau enfin le, le, les tableaux et en général, alors les tableaux en JavaScript, ce sont pas vraiment euh, des tableaux tels qu'on les trouve en, en C. D'ailleurs, ils n'ont pas d'équivalent en, en, en C ces tableaux-là. Ils ont des équivalents en fait plutôt dans d'autres langages, genre euh, JavaScript, enfin euh, oui, là on est en JavaScript, euh, genre euh, Java, Python, Ruby, etc., PHP. Et en fait, les tableaux en, en Java ils combinent euh, les, a, les, les, les atouts des tableaux en C et des listes chaînées en C. Et d'ailleurs, en Java, en Java, le nom de ce, le nom de ce, de ce type, c'est un ArrayList. Donc, vous voyez que dans le mot ArrayList, on retrouve le mot arrêt et le mot liste. Donc, ça combine en fait les deux trucs. Donc là, je vais déclarer un tableau que je vais appeler ARR, que je mets constant. Et je le déclare comme ça et je lui assigne le tableau vide. Vous voyez que ça, c'est le tableau vide. Si je fais Là j'ai un tableau avec euh, trois éléments. Donc en fait, mon arrêt, il est constant, il est vide. Donc qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il soit constant Ça veut dire que je peux pas lui réassigner une valeur. En revanche, ça ne veut pas dire que je ne peux pas agir sur ce tableau en lui-même. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce tableau, finalement, arrêt là, euh, ma variable arrêt, je ne peux pas lui donner une nouvelle valeur. Par contre, euh, cette valeur qui, euh, qui finalement manipule un, un tableau, ce tableau, je peux lui ajouter. Ou lui retirer des membres, etc. Donc un moyen de lui ajouter des membres en fin de tableau, c'est d'utiliser euh, la méthode push. Donc vous voyez que Arrêt en fait. Alors attendez, si on regarde un petit peu, si on regarde un petit peu son type arrêt, et eh ben il me dit que c'est un objet. Et bien souvent un objet en JavaScript et dans les langages orientés, enfin euh, les langages dit orientés objet. Sont des langages dans lesquels en fait on peut appeler des méthodes. C'est-à-dire qu'on peut appeler des fonctions qui opèrent directement sur la valeur de, 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 de ce truc-là. Par exemple, si j'avais eu un, un, une liste en, en C, donc là je vais mettre un commentaire et je vais faire comme si j'écrivais du C. Donc imaginons que j'ai une liste arrêt. Ok, bon, elle vaut quelque chose. À un moment donné, si j'ai envie de lui ajouter un élément, par exemple, si je fais un arrêt, un liste push. Je vais lui ajouter l'élément 1, j'écrirai quelque chose comme ça en C. C'est-à-dire que j'écrirai une fonction qui prend en paramètre le tableau pour lequel j'essaye de rajouter un élément, et puis je, le nom de l'élément, enfin le, le, la valeur que j'essaye de rajouter dans ce tableau. Eh bien on a une, une syntaxe un peu différente en fait dans les langages orientés objets. En général, on est plutôt sur une syntaxe comme ça. Donc on est plus sur une syntaxe comme ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'élément 1, je vais l'ajouter au tableau. C'est un équivalent de, de ça. Donc en fait, dans les langages orientés objets, souvent, les méthodes, elles s'écrivent après le, 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 ce qui va servir de premier argument à cette méthode. Donc là, en fait, lorsque je vois ce truc-là écrit, eh ben, je vais appeler la méthode euh, ajoute un élément dans arrêt. Et l'élément que j'ajoute, c'est le 1. Donc si arrêt, je vais lui ajouter un 1 en fin de tableau. Vous voyez que mon arrêt, il vaut euh, le tableau 1. Donc je vais lui ajouter un 2. Je réaffiche mon arrêt, donc ça fait 1-2. Et puis maintenant, je lui ajoute un 3. Là, ce que vous voyez dans la console, c'est le résultat de l'appel à cette fonction. Cette fonction, lorsqu'elle a appelé, bah manifestement ce qu'elle renvoie, c'est l'élément qu'on vient d'ajouter dans le tableau. En revanche, le tableau en lui-même, si j'essaye de l'afficher, vous voyez que ça m'affiche 1, 2, 3. De la même façon qu'on peut ajouter des éléments en fin de, de tableau, on peut aussi en ajouter en début de tableau. Donc pour pouvoir ajouter en début de tableau, la commande elle s'appelle unshift. Donc je peux lui ajouter au début un 0 et puis un moins 1. Et puis maintenant, lorsque j'affiche mon tableau, bah, vous voyez que j'avais un 2, 3. J'ai ajouté un 0 euh, au tout début, puis un moins 1 encore au tout début. Donc pour pouvoir avoir, pour savoir un peu tout, le, toutes les fonctions qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut euh, appeler sur euh, nos tableaux, ce qu'on peut faire, c'est arrêter JavaScript. En général, vous tombez sur une doc qui vient de Mozilla. Euh, développeur en général, les docs euh, qui sont là, elles sont plutôt, euh, plutôt euh, sympathiques. Et puis là, on vous dit un peu comment euh, utiliser. Donc là, on vous dit que euh, bah, les tableaux, ils ont des propriétés. Donc, euh, si je regarde la propriété du tableau length, vous voyez la propriété length, là, du tableau, qu'est-ce que ça me renvoie bah, Ça me dit le nombre d'éléments que j'ai dans ce tableau. Effectivement, dans ce tableau, j'ai effectivement 5 éléments. Euh, et puis, on a à peu près tout, toutes ces choses-là. On peut euh, utiliser, appeler concat, copy within, entry, every, fill, etc., etc. Je ne vais pas toutes les faire aujourd'hui. Euh, on va regarder quelques-unes les plus courantes. Et puis, enfin, à mon sens, ce qui est les plus courants. Et puis, euh, vous pourrez aller regarder un peu plus tard ce que font euh, les, les, les autres fonctions. Mais là, typiquement, lorsque nous, on a utilisé quoi On a utilisé push. Voilà. Donc, push ajoute un ou plusieurs éléments à la fin du tableau. Ah oui, effectivement, on peut en ajouter plusieurs. Donc, si je fais un push... Push, donc, euh, 4 5 6 7, hop, à ah, voyez en fait, arrêt push. Vous voyez en fait, ça me renvoie la taille du tableau. En fait, ça me renvoie pas le nombre que je viens d'ajouter, ça me renvoie la nouvelle taille du tableau. En fait, euh, donc, vous voyez que ça m'y a bien rajouté euh, 4 5 6 7 sur euh, sur, euh, sur euh, dans mon tableau. Et puis là vous avez des exemples et puis en plus là vous voyez sur le sur le truc c'est assez sympa parce qu'on peut on peut run les exemples en fait ici là il y a du code JavaScript qu'on peut euh, qu'on peut modifier par exemple si je fais the pig ici et je fais run bah, vous voyez que ça m'a changé mon résultat donc c'est assez sympa parce que là c'est de la doc qui mixe en plus un petit bac à sable ce qu'on appelle un bac à sable dans lequel on peut aussi euh, on peut aussi euh, euh, toucher un peu le code pour essayer de, de, de mieux sentir co comment cette méthode fonctionne. Donc je, je vois qu'il y a des petites questions. On peut quand même... Ah oh, oui, ça on avait dit... Comme un pointeur constant... Ou... Oui, en fait, là, euh, le... le, le, le... En, en fait, arrêt, c'est ni plus ni moins qu'une adresse en mémoire. C'est une sorte de pointeur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer son adresse en mémoire, on ne peut pas lui faire pointer sur un autre tableau. En revanche, le contenu de ce tableau, on peut le modifier. Euh, comment on compile un code euh, Comment on compile un code en JavaScript bah Là, l'idée, c'est euh, un code en JavaScript, on, l on dit qu'on l'interprète, euh, qu en fait. On n'est pas là pour le compiler. Alors, il y a des moyens de, de, de compiler des, des, des codes JavaScript, mais l'intérêt principal des langages de script sont justement de ne pas se soucier de la compilation et de pouvoir exécuter le code à la volée en fait. Et euh, il, souvent dans les, dans les codes, on peut même... Bon on le verra peut-être ça tout à l'heure, mais on peut même générer... Euh, là j'ai une fonction Eval. On peut même générer du code JavaScript en fait. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est comme l'interpréteur, lui, il est capable euh, de comprendre... Parce que là, quand je lui tape 1 plus 2, ça n'est ni plus ni moins qu'une phrase, euh, qu'une chaîne de caractères qui récupère et qui va interpréter, et il va en faire le résultat. Et... L'intérêt des, euh, des, euh, des interpréteurs, c'est que souvent elles offrent aussi une méthode eval. Et cette méthode eval, bah, finalement, je peux lui écrire du code JavaScript. Euh, par exemple, je déclare variable abc qui vaut 42. Et puis, euh, je renvoie euh, abc plus 23. Hop. Et vous voyez qu'en fait, euh, bah, on peut aussi fabriquer cette chaîne de caractères. Donc, l'intérêt en fait, c'est d'exécuter à la volée le code qu'on lui passe. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait faire sur les tableaux. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que là, notre tableau, bah, imaginons que je retire les éléments que j'ai en tête. Donc, de la même façon que je pouvais ajouter en tête de tableau, je peux les retirer. Donc, c'est la commande Shift. Donc, elle prend pas d'arguments. Vous voyez que ça m'a récupéré le moins 1 qu'elle a. Là, et ça l'a sorti du tableau. Vous voyez que mon tableau, il a plus le moins 1. Et puis, je peux aussi faire des arrêts pop. Donc, c'est euh, la fonction antagoniste à push. bah Ça me retire, au lieu d'ajouter en dernier élément, ça me retire le dernier aimant. Donc là, ça va me renvoyer le 7. Et puis, mon tableau, il ne contient plus que tous les nombres de 0 à 6. Et puis, sur ce tableau, on peut faire euh, tout un tas d'opérations. Euh, et puis, euh, pour, pour y arriver, je vous, euh, je, je, je vous invite à consulter un petit peu euh, la doc euh, qu'il y a là-dessus. Donc, voilà un peu. Un, euh, une, une, euh, comment dire, une, euh, un type, un type euh, pour le coup qui n'est pas scalaire, un type euh, riche euh, qui est assez utile vraiment. Et euh, dans mon tableau, une dernière chose, c'est que de la même façon que euh, euh, j'ai pas forcément de type euh, sur, mes, euh, sur mes variables, bas dans mon tableau, je peux lui embarquer euh, des, euh, des carottes et des choux, quoi. C'est à dire que là, dans mon tableau, je vais lui ajouter un trou, un hello. Et puis un euh, false, et un "-3", quoi. Et là, maintenant, si je regarde mon arrêt, eh ben, j'ai des nombres, des bouléens, des chaînes de caractères, des nombres, etc. Donc, en fait, dans mon tableau, je mets, je mets ce que je veux. D'accord C'est pas juste un tableau d'entier, c'est un tableau de valeur euh, JavaScript, tout ce qu'il y a de plus euh, normal. Je peux lui ajouter un autre tableau. Dans mon tableau, je peux lui ajouter le tableau 3, trous yes. Merci euh, Pierrol B pour ton follow. Donc là, si vous voyez que là dans mon tableau, bah, du coup j'ai tous les nombres que j'avais au début. Et puis là j'ai un boulet 1, puis j'ai une chaîne de caractères, je re un boulet 1, je re un nombre. Là, j'ai un tableau dans mon tableau, etc. etc. Donc, euh, donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Et puis une dernière chose qui me paraît triviale, on peut accéder. donc euh, là, on voyait les fonctionnalités plutôt listes, c'est-à-dire qu'on peut faire grandir et rétrécir cette structure-là, mais on peut aussi euh, avoir les fonctionnalités de type euh, tableau en C. On peut accéder au n élément d'un truc. Donc, pour accéder au n élément, il faut que j'aille à l'indice n-1. Donc, pour accéder au troisième élément, eh ben, je, je tape l'indice 2. Donc, là, attendez, je vais accéder à mon euh, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, si je fais arrêt 11, donc je récupère mon arrêt. Et là-dedans, c'est aussi un arrêt. Donc, je peux euh, l'enchaîner en lui disant euh, crochet 1. Et là, je récupère le trou. Donc, je récupère ma valeur d'indice 11. Bah, du coup, c'est ce tableau-là. Et cette valeur-là étant un tableau, je peux aussi lui récupérer euh, l'élément d'indice 1. Donc, ce trou. Donc, pour récupérer ce trou-là, je pourrais dire bah, arrêt, crochet 11, euh, crochet 1. Et du coup, je récupère euh, ce truc. Euh, comment peut-on connaître la taille du tableau pour le parcourir La taille du tableau pour le parcourir, c'est length. Et d'ailleurs, euh, quelque chose qui est assez, euh, qui est assez euh, perturbant. Alors moi, c'est un truc que j'ai découvert euh, là en préparant. Euh, je me suis dit, essayons de voir euh, tous les trucs un peu euh, euh, nécessaires euh, à, à connaître pour manipuler euh, les tableaux. Donc euh, je fais le tour. Et je suis tombé sur un truc. Alors moi, je l'ai découvert. Euh, là, en, en préparant l'activité d'aujourd'hui, euh, la propriété length, c'est pas une propriété qu'on a en lecture, c'est aussi une propriété qu'on a en écriture. C'est-à-dire que si length, je lui dis maintenant mon tableau, t'es gentil, t'as une taille 3, on va regarder ce qui se passe. Là, boum, bah, du coup, il, il a maintenant il considère que le tableau il a une taille 3 et tout ce qui est au-dessus, bah, ça a été jarté, ça a été perdu à tout jamais. Quoi. Donc euh, donc euh, voilà un peu euh, ce qu'on qu peut obtenir. Euh, mais ça marche s'il y a autre chose que des chiffres. En fait, le, le et length ça marche, ça permet de savoir combien de, de, de cellules comporte ce tableau, peu importe le type de ces cellules. C'est-à-dire que dans mon tableau, il y a n éléments à l'intérieur, que ce soit des des choux, des carottes, des vaches ou des tableaux, et ben, il est capable de, de, de nous le dire. Oui, ben, moi non plus, je savais pas que la propriété assignable. Là, je l'ai découvert hier en fait. Donc euh, après, c'est pas, euh, le... pas non plus le c'est pas non plus le truc qu'on utilise tous les quatre matins quoi. Euh, donc voilà, on a parlé des, euh, des variables scalaires, euh, on parle des, des tableaux qui parlent de langage de prononciation. Alors je reviens pas sur les syntaxes if, euh, donc évidemment on a des syntaxes euh, if, then else, euh, des while et des choses de, de ce type là. On, on a des trucs. Alors si on lui remet une taille de 15, ah oui, alors on va le faire. Si, on lui, si maintenant si on lui dit que le tableau il est d'une taille 10, et ben là, il me dit que il euh, y a euh, 7 items empty. Et pour pouvoir les remplir, il faut utiliser la méthode fill, je pense. Ah oui, non, bah fill, finalement, euh, fill, ça fait quoi, ça, euh, ça, ça, vide tout le tableau. Ah oui, fill, ça prend en fait une, va une valeur et ça remplit tout le tableau, ça réinitialise tout le tableau avec cette valeur là. Donc euh, tu vois les empty items là, c'est des choses qui n'étaient pas vraiment accessibles. Attends, qu'est-ce qui se passe si je fais arrêt point Alors attendez. Si je fais égal 3 et puis égal 15. Donc... Moi ce qui m'intéresse c'est si je fais un arrêt 2, donc ça me renvoie 12, ça normal, mais arrêt 3 ça me renvoie quoi Ça me renvoie undefined. Donc en fait, tous les éléments qu'il y a là sont de type undefined. Vous verrez qu'en fait, en... il y a deux valeurs qui sont assez... Euh... Deux constantes qui sont euh... assez... Euh... déroutantes quand on maîtrise pas bien en fait, le, 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 le langage c'est on a une constante qui s'appelle undefined, pour nous dire que bah, cette variable, on... enfin, cette case, il n'y a rien dedans, on n'a jamais essayé de lui mettre quelque chose, contrairement à la valeur nulle, qui là, pour le coup, c'est une vraie valeur qui renseigne que euh, on a renseigné, euh, là, par exemple, si... Alors, alors, attendez. si je lui dis que c'est, si je lui dis que f, par exemple, c'est égal à nul qu'est-ce que j'essaye de dire Ça veut dire que, je dis que f existe, mais je ne sais pas encore euh, ce qu'il euh, qu y a à l'intérieur de, ce, de, de cette, de cette variable-là. En revanche, si je lui dis que f, donc maintenant je l'affiche, si je lui dis que f est égal à undefined, qu'est-ce que ça fait Ça lui dit que cette valeur, elle n'existe plus, elle n'existe plus dans le truc, et si je tape f, bah là, il me dit qu'elle est undefined, et je peux rien en faire euh, dessus. Bon, peu importe. Euh, L'idée, c'est que nul et undefined sont deux choses assez différentes, mais je vais pas rentrer en détail euh, dessus aujourd'hui. Euh, toujours est-il que pour, euh, pour vous dire, quand c'est vide, on utilise undefined, quand on dit je sais pas, on utilise nul. Mais euh, bref, on ne va pas rentrer en détail euh, là-dessus. Euh, il existe une technologie. Hein oui, effectivement. Euh... Alors, euh, non, oui, effectivement, euh, Fusio, Fusio, Fusioni. Pardon. Euh, là, en ce moment, je suis en train d'exécuter du, du code JavaScript sur ma machine en utilisant. Euh, un interpréteur JavaScript qui s'appelle Node.js. Il en existe d'autres, mais euh, Node.js c'est un interpréteur JavaScript qui permet d'exécuter de, du JavaScript sur son ordinateur plutôt que dans une page HTML. Euh, ok, okay bon, c'était euh, les questions. Euh, alors attendez, donc je reviens pas sur les syntaxes euh, ifs et else, etc. On verra ça un peu plus tard. Euh, maintenant, dans les, dans les choses qui sont hyper utiles, on a aussi les fonctions. Parce que qui dit programmation dit évidemment fonction. Donc pour déclarer une fonction, il y a plusieurs façons de le faire. En fait, en JavaScript, euh, il y a la méthode traditionnelle, euh, à l'ancienne de l'époque, et puis il y a un truc un peu plus moderne aujourd'hui. Euh, il y a des différences, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui euh, ce que sont ces différences. Donc pour déclarer une fonction, comment est-ce que je fais Je fais ça. Et puis là, euh, je vais utiliser... Alors attendez. Hop. Je regarde. Okay. Je vais utiliser une, euh, un truc en javascript qui s'appelle console.log. Console.log en fait, c'est une sorte de... c'est un printf. C'est comme un printf euh, du C, si je fais console.log. hello, vous voyez que ça m'affiche hello et ça ne renvoie rien. Euh, donc je vais faire ma fonction. Euh, euh, je vais faire ma fonction F1. Hop. Donc F1 ça va prendre un argument. OK. Et puis je vais afficher le résultat de cet argument et je vais faire ma fonction. Donc si j'appelle F1 avec hello. Vous voyez que ça m'affiche Hello et Undefined. Alors ce que je vais faire là à partir de là, c'est je vais arrêter d'écrire des choses dans la console et je vais écrire du code JavaScript dans un fichier. Donc... Alors là j'ai mon fichier index.js là vraiment euh, le fichier on l'appelle comme on veut. Vous le terminez en JS pour que votre éditeur de texte puisse euh, vous faire la colorisation syntaxique euh, si vous le souhaitez. Donc là moi je suis là. Et moi pour lancer, en fait, pour lancer, lorsque je vais écrire du code JavaScript ici, et eh ben il va falloir que je le lance en utilisant euh, l'interpréteur Node. Donc par exemple, donc on, on a dit que console.log, et là on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. Console.log c'est ni plus ni moins qu'une sorte de, de printf. Donc si je fais ça, vous voyez que ça m'a affiché euh, mon programme, m'a affiché euh, cette chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, bon, on va faire un Hello World, tout ce qui est plus standard. Donc voilà un premier Hello World en euh, JavaScript. Donc nous on a dit ce qui nous intéressait, ce sont les fonctions. Donc je vais déclarer une fonction, une fonction f1 qui prend un argument a, ok. Et puis cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait... Elle appelle, Elle appelle ça. D'accord Donc là, si je lance mon truc, vous voyez qu'il ne se passe rien. Là, je fais juste, mon programme ne fait juste que déclarer euh, une fonction, mais il n'est pas en train d'utiliser la fonction. Par contre, si j'utilise ma fonction, hello world, hop, ça m'a bien affiché euh, ma phrase. Parce que ici, j'ai déclaré ma fonction, et puis ma fonction, je me mets à l'utiliser là. Euh, les fonctions, elles peuvent aussi renvoyer des valeurs. Par exemple, je vais faire une deuxième fonction F2. Elle va prendre deux arguments, A et B, et puis elle va en renvoyer la somme. Donc, ça, a priori, c'est euh, une notation que vous êtes habitué à faire. Donc, là, typiquement, si je relance, bah, j'ai mon Hello World qui, euh, qui vient de là. Mais si je fais F1, 2, F2, avec euh, 21 et 21, lorsque je somme 21 et 21 et que j'en affiche le résultat et eh ben j'obtiens bien 42 d'accord donc vous voyez je fais appel à f1 en lui passant pour argument le résultat de l'appel à la fonction f2 donc f2 va sommer ces deux arguments va en renvoyer le résultat ce résultat va être passé à la fonction f1 et la fonction f1 se chargera d'afficher cette valeur donc voilà un peu euh, comment on peut déclarer une fonction il y a quelque chose lorsqu'on fait des fonctions par exemple f3 je peux décider <coughs> pardon euh, je peux décider euh, euh, lorsque je mets pas d'argument, Il existe dans les fonctions. Il y a une variable. Euh, donc c'est un, une variable du langage en fait. Une, euh, cette variable qui s'appelle argument. Et en fait cette variable argument, on va voir euh, ce qu'elle fait. Donc je vais déclarer un tableau que je vais appeler values. Ok. Et là je vais faire une boucle for. Euh, let i égale 0 i inférieur à arguments ok alors j'écris et puis euh, je vous dis après values ok donc en fait euh, argument c'est quoi Argument, c'est une sorte. Alors, ce n'est pas exactement un tableau. Ça, ça fonctionne un peu comme un tableau, c'est-à-dire que ça a une propriété length et puis on peut accéder au ième argument. Mais on va dire que c'est quelque chose qui, fo... qui fonctionne comme les std arg de, du, euh, du C. Les, les fonctions variadiques, les... on va dire qu'en JavaScript, toutes les fonctions sont variadiques en fait. Toutes les fonctions peuvent accepter un nombre indéfini de paramètres. Et les paramètres qu'on n'a pas réussi à capturer. Euh, avec des noms de variables ici, vont finir par se retrouver par défaut dans une variable qui s'appelle argument qui existe à l'intérieur de chacune des, des fonctions. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Si je fais F3, 2, si je lance ça, qu'est-ce qui va se passer J'ai passé trois arguments à F3. Étant donné que j'en ai capturé aucun avec un nom de variable ici, ils vont tous finir par se retrouver dans argument. Dans argument, bah finalement, je sais le nombre d'arguments variadiques qu'il y en a il y a argument.length. Pour chacun de ces arguments, je vais les prendre, je vais les mettre dans mon tableau. Mon tableau, je le renvoie. Du coup, F3 va renvoyer l'ensemble des arguments que, euh, que j'ai capturé comme cela. Et l'ensemble de ces arguments, je les passe à F1. Et vous vous souvenez, F1 se charge d'afficher, euh, ça se charge d'afficher les, les, les valeurs qu'on lui passe. Vous voyez, là, si je modifie, si je fais A ici et que je relance, et eh ben, je capture quand même tous les arguments. Arguments, il y a tous les arguments qui sont capturés. Euh, qui sont passés à la fonction, qui sont capturés comme ça. Donc, euh, voyez, euh, voilà un petit peu euh, les, les fonctions. Alors, je regarde un peu mes, mes notes. Okay. Euh, donc ça, c'est la, euh, or, la méthode originale, c'est la méthode originale, c'est la méthode historique euh, de euh, création d'une du, fonction en, en JavaScript. Euh, pour des raisons que j'aborderai pas ici. Il euh, y a une autre syntaxe qui est maintenant plus utilisée. Donc, au lieu de déclarer. Donc, là, je vais redéclarer une, ma fonction ff1, mais avec la nouvelle syntaxe. Donc, ff1, en fait, plutôt que de dire que c'est une fonction, je vais lui dire que c'est une constante. Ou alors, là, je mets const ou let, hein, je fais comme je veux, euh, machin. Je vais lui dire que c'est quelque chose qui prend un argument et qui renvoie. Qui fait ça. Donc, vous voyez, je vais mettre les deux syntaxes l'une en dessous de l'autre. Juste pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Plutôt que de dire euh, j'ai ma fonction ff1, enfin, ff1 c'est une fonction, bah là je lui dis c'est une variable, et c'est une variable, je vais lui passer directement euh, une fonction anonyme. Et une fonction anonyme, c'est quoi C'est une parenthèse avec zéro ou plusieurs arguments séparés par des virgules, flèche, et là un bloc, et là maintenant j'écris le corps de ma fonction. Donc voilà un peu euh, comment, euh, comment on déclare aujourd'hui une fonction euh, en, en JavaScript. Alors attendez, juste avant de passer ça, évidemment ici, euh, f1, f2, f3, même si ce sont des fonctions, eh ben, euh, ce sont avant tout des variables. Donc je peux aussi, donc là si je fais node index, vous voyez que bah, euh, quand je fais un console log de f1, de f2 ou de f3, bah, il me dit que f1, f2, f3, ce sont des fonctions. Je peux même faire des type of souvenez de, de l'opérateur type of. Si je fais des type of sur tout ça, hop, bah il me dit que bah, les trois sont des fonctions, d'accord Donc f1, f2, f3. Quand bien même ce sont des fonctions, elles sont, elles se comportent dans le programme comme des variables à part entière. C'est juste que ce sont des variables de type fonction. Donc je mets en parenthèse ça. Donc je reviens ici. Donc j'ai mon ff1, je l'ai déclaré comme ça. Donc pareil, si je fais un ff1 de hello world ben là j'ai bien mon hello world qui s'affiche ici pareil je vais essayer de je vais refaire le ff2 le ff2 donc je peux lui dire que ff2 du coup c'est une fonction qui prend deux paramètres et qui en renvoie la somme donc si je fais ff1 de ff2 de 12 et de 34, ça devrait m'en renvoyer 46. Donc ça devrait m'afficher 46 dans la console. Hop. Donc ça m'a bien affiché 46. Il euh, y a un truc qui peut être aussi intéressant c'est de se dire, bah, euh, FFF2, FFF2, je peux aussi lui dire que c'est une fonction qui prend un A. Alors attendez, une petite seconde. Euh, FF, euh, FF2 là, vous voyez, quand j'utilise un return comme ça, étant donné que le seul truc que je fais, c'est un return, je peux skip ce truc-là. Je peux lui dire que FF2 ça prend A et B et ça renvoie A plus B. Ok, ça, ça va continuer de fonctionner de la même façon, mais je peux déclarer un autre truc. Je vais dire que FFF2, bah, c'est une fonction qui prend A, qui renvoie une fonction qui prend un B et qui renvoie A plus B. Donc là, si j'appelle FFF2, donc FFF2, c'est une fonction qui va prendre un entier, 12, qui va renvoyer une fonction, qui prend un autre entier, 34, et là, je vais afficher ce truc-là. Ça me renvoie bien 46. En revanche... Alors là, je peux appeler ça G, par exemple. Euh, alors attendez. Je vais, appeler, je vais créer une fonction qui s'appelle add12. Étant donné que FFF2, ça prend un entier et ça renvoie une fonction. Vous bah voyez que add12, c'est... Euh, si je dis que FFF2, FFF2 euh, 12, ça va me fabriquer une fonction add12. Et ma fonction add12, elle prend un entier et elle va lui ajouter 12. Par exemple, elle prend l'entier 100 et elle va lui ajouter 12. Et là, boum, j'obtiens bien 112. Donc, vous voyez que bah, finalement... Euh, des fonctions peuvent fabriquer euh, des, euh, des, euh, des valeurs, et les valeurs que ça peut fabriquer, ça peut fabriquer des valeurs de type entière, de type string, de type euh, boulin, mais aussi de type fonction. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'avec des fonctions, on peut fabriquer des fonctions. Euh, et de la même façon qu'on avait euh, ce truc-là, ce, ce argument, on a aussi une syntaxe qui permet d'avoir ce genre de choses. Euh, avec la nouvelle, la nouvelle écriture. Si je fais un FF3, si j'essaye de récupérer tous les arguments qu'il y a là-dedans, Bah c'est simple, je fais .args et je retourne mes args. Donc là, si je fais F1, 2, FF3, alors 1,2, hop, et que je relance, vous voyez que... Dans mes arguments, j'ai fabriqué. Cette syntaxe, ça veut dire quoi Elle veut dire bah, tout le surplus euh, des arguments qu'on n'a pas réussi à capturer, mets-les dans un tableau qui s'appelle arg, et puis là, je décide de renvoyer ce tableau. Donc là, il a capturé tous les arguments 1, 2, 3, 4, 5, ça les a mis dans un tableau, et ça me les a retournés. En revanche, si je fais ça plus b, et ben là, ça va me, ça va me capturer 1 dans a, ça va me capturer 2 dans b, et tout ce qui n'a pas été capturé par une variable va être mis dans arg, et là, on va renvoyer. Euh, la fin du tableau. Donc ça me renvoie bien 3, 4, 5. Bon, voilà un petit peu des, des styles d'écriture. Euh, très honnêtement, lorsqu'on fait du, du JavaScript au début en débutant, on est plutôt sur des syntaxes tranquillou euh, comme ça. Voilà, je, je vous montre juste ça pour vous dire euh, que, que ça existe un petit peu. Euh, donc, on a vu les entiers, enfin les nombres, on a vu les bouléens, on a vu les, les chaînes de caractères, les tableaux, les fonctions, et... Une dernière chose qui est aussi très intéressante et très importante à maîtriser sont les objets. Et les objets en fait, ce, sort, euh, des, ce sont des sortes de, euh, de, de structures en fait. Comment est-ce qu'on fait pour Alors attendez, je vais... je vais, réinitialiser ce truc là. Donc, je vais déclarer mon objet que je vais appeler o. Et pour déclarer un objet, eh ben, je le déclare comme ça. Donc, si je fais un console log, vous, vous souvenez, hein, mon console log, ça c'est une sorte de printf. Si j'affiche mon o, qu'est-ce qui va se passer ça me dit que j'ai rien. Si je fais un type off de ça, il me dit que bah non, mon objet O, c'est un objet. Ok, très bien. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire avec cet objet Avec cet objet, je peux lui de donner des propriétés. Donc euh, je peux lui dire que A il vaut euh, 34. B il vaut euh, Hello. Et C il vaut euh, troupe. Si je raffiche un truc, et eh ben vous voyez que. Bah, je retrouve mon objet, donc euh, mon espèce de structure, dans lequel euh, je... finalement, c'est un objet, c'est ni plus ni moins qu'un type composite. C'est un type qui va pouvoir embarquer plusieurs euh, sous-paramètres. Et d'ailleurs, dans ces sous-paramètres, ça peut être aussi des objets. E12 euh, et puis euh, euh, F54. Euh, enfin, non, false. Hop. Là, si je les réaffiche. Vous voyez que bah, j'ai réussi à avoir des propriétés, des sous-propriétés, etc. Et maintenant pour accéder à ces propriétés ou ces sous-propriétés, bah, c'est assez simple, c'est un peu comme ce qu'on peut faire en C ou dans d'autres langages. Pour accéder à la propriété A de O, eh ben, je fais O.A. Donc j'ai bien récupéré 34. Okay Et puis cette propriété 34, je peux la modifier. O.a. Bah, finalement c'est plus 34, c'est trop. relance, bah, vous voyez que, ah, maintenant, il vaut trou, et finalement, j'ai réussi à le récupérer. Et puis, je peux enchaîner aussi les trucs. Je peux enchaîner les, les récupérations. Là, je peux lui récupérer D. Donc, vous voyez qu'en récupérant D, bah, je me retrouve avec ce deuxième sous-objet. Euh, sous et puis, bah du coup, je peux faire O.D.F. Et là, ça va me récupérer false. Parce que j'ai récupéré... Dans cet élément-là, j'ai récupéré cet objet, et ça étant un objet, je peux récupérer sa propriété f, et elle vaut bien false, et j'ai réussi à la récupérer. Donc dans les objets, ce sont des choses qui sont assez intéressantes, dans lesquelles on peut faire pas mal de choses. Et dans les trucs qu'on peut faire, bah, on peut aussi leur assigner des, euh, des variables, en fait. Euh, pardon. Euh, les, les types qu'on peut leur mettre, ça peut aussi être des fonctions. Par exemple, fun, bah, c'est une fonction qui prend un a et qui renvoie... Euh, qui renvoie return à fois 10. Okay. Donc là, si je fais au fun, donc ça multiplie le nombre que je lui donne par 10. Donc euh, si je lui donne 45, et ben là, ça va me renvoyer 450. Donc voilà des choses qu'on peut faire assez, euh, euh, assez facilement en C. Donc on peut déclarer des objets. Des objets, ils ont des propriétés, et ces propriétés peuvent être de n'importe quel type de base. Et les types de base, ça peut aussi être des, des, euh, des fonctions. Donc euh, voilà un peu ce qu'on peut faire. Et puis je vais terminer euh, là-dessus sur le, sur le langage en lui-même. Et là après, on va passer un peu à de la, de la programmation. Un des derniers trucs, eh ben, de la même façon, quand c on, a des, euh, des, euh, des, euh, on peut passer des, des, euh, des, euh, des fonctions en paramètres d'autres fonctions, ben, là aussi c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc imaginons... Euh, que j'ai une euh, comment dire une euh, un tableau d'accord avec mes nombres donc là si je l'affiche log numbers ok donc là ça m'affiche tous mes nombres que, que j'ai écrit là et eh ben je peux euh, appliquer des, des, des fonctions sur ces nombres là donc si je regarde un peu là dedans map map c'est une, 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 une méthode sur un sur une sur euh, sur un tableau, ça permet d'appeler une fonction sur chacun, des membres de, de, de cette, euh, sur chacun des membres de ce tableau. Donc, map, ça prend une fonction en paramètre. Et la fonction que je vais l'appeler, ça va être add12. D'accord Et ma fonction add12, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend un nombre, a, et elle renvoie a plus 12. D'accord bah, Si j'appelle la fonction add12 sur numbers, qu'est-ce qui va se passer Bon, alors, je vais pas faire à 12, je vais faire plutôt faire à 10, pardon. à 1000, allez hop. Et bien, qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais prendre chacun. Qu'est-ce qui va se passer ici Si je fais number map add 1000, et bien ça va prendre chacun euh, des éléments qu'il y a dans mon tableau, et ça va lui ajouter 1000, et ça va me renvoyer ce nouveau tableau avec chacun des éléments qui ont été euh, augmentés de 1000. Donc là, dans mon tableau numbers, j'ai toujours euh, mes trucs. Là, je fais add 1000, et ce qui est intéressant aussi c'est que ça, ça, map, ça crée un nouveau tableau. Regardez, je vais afficher euh, number map 1000 suivi de euh, l'affichage de number. Donc ça, ça m'a créé un nouveau tableau, dans lequel chacune des cases ont été incrémentées de 1000. En revanche, ça n'a pas touché à mon euh, tableau de nombre. Donc, je peux appeler des fonctions comme ça. Et d'ailleurs, les fonctions, je peux aussi les déclarer directement ici. Je peux lui faire directement ça. Donc, map, ça prend, ça prend une fonction, et la fonction, c'est elle prend un paramètre et le renvoie à plus 1000. Je pourrais aussi faire quelque chose comme ça. Ok. Peut-être un peu plus lisible. Donc voilà, j'obtiens mon... toujours mon fonctionnement. Euh, J'ai des maps. J'ai un autre truc qui est aussi hyper pratique. J'ai des filters. Filter, c'est quoi Filter, ça prend une fonction en paramètre et ça renvoie soit true, soit false. Imaginons que j'appelle filter avec true. Alors là, je cache ça. Vous voyez que ça m'a affiché exactement euh, mon truc à la base. Si je renvoie false, ça ne m'en en enfin, récupère aucun. Qu'est-ce que ça fait, filter ça, On lui passe une fonction. Et ça va appeler cette fonction sur chacun des éléments. Et ça va calculer soit un true, soit un false pour filtrer ce truc-là. Donc là, je vais dire garde-moi tous les nombres qui sont euh, pairs. Donc. Tous les nombres qui sont pairs, c'est des euh, A modulo 2 qui valent 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça Eh bien, ça m'a gardé. Donc ça m'a créé une nouvelle, euh, une nouvelle liste en ne gardant que les nombres qui matchaient cette fonction-là. Donc tous les nombres qui matchent sont sont là sont les nombres pairs. Donc vous voyez que 12, 34, euh, je la récupère. En revanche, 45, 5 et 7, je ne les garde pas parce qu'ils ne sont pas pairs. Et une autre méthode qui est hyper utile aussi sur euh, les, euh, les, euh, les, les tableaux. Donc là, on a vu filter, on a vu map. On a reduce. Reduce, qu'est-ce que ça fait Alors, reduce, c'est une fonction qui est un, un petit peu plus euh, complexe à comprendre. Alors, euh, là, j'ai ma fonction inc, ma fonction fun, et ma fonction... et mon first element. Donc, imaginons que... <coughs> Je vais l'écrire d'abord. Je vais l'écrire. Donc, filter, ça prend une méthode qui a deux paramètres et qui renvoie quelque chose. En général, c'est euh, l'accumulateur et euh, le euh, current element. Quoi. Imaginons que l'accumulateur plus. Hop, et mon first. Donc qu'est-ce qui va se passer Cette méthode, elle va, euh, c'est pas plutôt reduce. Oui, c'est reduce, pardon. Cette méthode reduce, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va partir de mon premier, euh, de mon premier chiffre là, de mon first, euh, d'un accumulateur, et ça va appeler successivement, en mettant à jour cet accumulateur. Euh, ça va appeler successivement, pardon, ça va appeler successivement funk. En prenant cet accumulateur, en lui passant en argument le prochain élément dans mon tableau, et en le mettant à jour cet accumulateur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais faire la somme de tous les éléments euh, du tableau. Donc, regardez un peu ce qui se passe. First hack. Je récupère, euh, bon, euh, 1113. Il faut me croire sur parole sur le fait que ce soit la somme de tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé exactement la même chose que ça. Alors, ça, je vais le commenter. Quand je fais ce truc là, hop, imaginons que je déclare une variable que j'appelle hack, que j'initialise à 0, et puis je parcours l'ensemble de, de mon tableau. Donc pour parcourir l'ensemble de ta mon tableau, c'est i inférieur à euh, numbers.length plus plus i. Et là si je fais hack est égal à, alors ici je fais const cur égal à numbers de i et là je fais hack est égal à hack plus OK et là j'affiche console log Donc là je récupère bien 1113 et voyez en fait qu'est-ce qui se passe en fait dans ce reduce reduce il fait exactement ça il prend la première valeur qui a ici donc là le 0 il va parcourir chacun des membres du tableau. Chacun des membres du tableau, il va appeler ce membre par exemple current. Et on va appeler la fonction funk ici-là. Si j'appelle ma fonction funk ici. Vous voyez que funk, ça m'additionne ça et ça. Okay. Et si je dis que le first hack, c'est 0. Reduce, c'est exactement cet algo qu'il est en train de faire. Il va parcourir chacun des membres du tableau, il va prendre une variable a qui va initialiser avec le, le, cet argument-là, et puis ça va faire des appels successifs à la fonction qu'on lui passe en premier paramètre, en lui passant l'accumulateur en cours d'état, enfin, en, en puis le prochain nombre à, à, à calculer. Ça met à jour l'accumulateur, et une fois qu'on a fini de faire le tour de tableau, on est capable de ressortir le, cette valeur-là. Donc voilà ce que fait un peu Reduce. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous allez utiliser du JavaScript, très souvent, vous allez devoir manipuler des tableaux, et dans les fonctions que vous manipulez dans les tableaux, souvent vous allez avoir du map, du push, du pop, du Reduce, du filter, etc. Donc ce sont les, les choses un peu élémentaires qu'on qu utilise en, en JavaScript. Donc tout ça pour vous dire. Euh, voilà une petite introduction sur le langage en lui-même. Et ce que je voudrais faire euh, maintenant, c'est de, de, de conclure un peu ce stream-là, dans les euh, euh, 10 minutes euh, qui, qui vont euh, rester, je pense, en réalisant un, une petite, euh, une petite, euh, un petit programme en JavaScript. Donc comme je vous l'ai dit, la JavaScript, c'est quelque chose qui peut s'exécuter euh, côté, euh, côté ordi, quoi, mais c'est aussi quelque chose qui s'exécute côté navigateur. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt, norm euh, plutôt bien. Moi, ce que je vous propose d'utiliser aujourd'hui, c'est une librairie qui s'appelle P5.js, et c'est une librairie qui permet très facilement de faire du, de la programmation graphique. Donc, lorsqu'on utilise P5.js, on est capable d'utiliser un éditeur ici, en ligne, qui permet de faire des choses. Donc là, ici, j'ai un bout de, un endroit qui, dans lequel j'écris du code, et puis là, j'ai le rendu graphique de ce que écrit le code. Donc là, si je fais ça, bah, en fait, dans P5.js il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs fonctions qu'on doit déclarer, notamment la fonction setup et la fonction draw. Et euh, voilà, c'est une sorte de SFML, mais version euh, JavaScript. Quoi. Et en fait dans ma fonction setup, c'est une fonction qui va être appelée au tout début du chargement de la page HTML et la fonction draw, c'est une fonction qui va être appelée à euh, temps régulier, à chaque tour de boucle, 60 fois par seconde, peut-être moins, peut-être plus, c'est quelque chose en plus je crois qu'on peut régler mais je me souviens plus comment on le fait. Et donc là qu'est-ce qui se passe Bah là on demande de créer un canvas, un canvas, c'est une zone d'affichage de 400 pixels par 400 pixels. Là si je lui dis par exemple de 600 par 600 et que je relance Là, voilà, ça m'a créé une zone de 4VA de 800 par 600. Et là, ici, je peux lui mettre une couleur. Donc une couleur, c'est les composantes RVB. Donc rouge, vert, bleu, codé euh, sur 2, euh, 0 à 255. Voilà. Donc si je fais ça, bah, j'ai une couleur rouge. Si j'ai ça, bah, je vais avoir une couleur violette. Parce que rouge et bleu, ça fait du violet. Et puis euh, si je fais ça, bah, j'aurai du, euh, du jaune parce que rouge et vert, ça fait jaune, ça c'est sûr. Donc. Voilà un peu euh, ce qu'on qu peut euh, réussir à réaliser euh, là-dessus. Et puis, lorsqu'on regarde un peu dans la documentation euh, de pay 5 js euh, hop, yes, euh, référence. Vous voyez que dans p 5 js on a tout un tas de choses qu'on peut faire. Donc voilà des, euh, des choses sur les couleurs, euh, les sortes de couleurs qu'on peut faire. Voilà les primitives qu'on nous donne. Donc, on peut dessiner des arcs, des ellipses, des cercles, des points, des carrés, des triangles, etc. On peut aussi dessiner des choses un peu en 3D. Et puis là, on vous dit un peu c'est quoi les fonctions qu'on doit, qu on doit euh, euh, setup, euh, draw, mais on a aussi d'autres fonctions qu'on est capable de déclarer, machin. Et puis, euh, comment on peut accéder euh, à la page HTML, mais ça a priori, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Et. J'ai des choses vis-à-vis -vis des événements. Comment est-ce que je récupère des événements, clavier, souris, etc. Donc là, on va faire un petit exemple. Et l'exemple que je voulais faire, souvenez-vous, c'est euh, je veux avoir mon, euh, mon espèce de, de, de rendu euh, de, rendu, euh, de euh, puissance 4. Donc moi, ce que j'ai fait, je ne vais pas utiliser l'éditeur parce que euh, je trouve ça un peu. Enfin, euh, euh, je n'aime pas trop, mais c'est un truc assez chouette. Euh, là, lorsque vous loguez. Ah, attendez. Euh, non, login. Est-ce que j'ai un truc Non, je j'ai peut-être des exemples là-dessus, quittez la page. Ok. Authorize. Et lorsque vous êtes logué, vous êtes capable de, euh, de rechoper d'autres trucs. Ah bah, vous voyez, j'avais déjà fait d'autres choses auparavant. Euh, hop. Non, download. Je ne vais pas faire download. C'est... Vous voyez, j'avais fait un petit exemple d'un truc, machin. Ça, c'est un truc qu'on fera peut-être un autre jour. Vous voyez, vous êtes capable de sauvegarder des, 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 des textes et revenir dessus, enfin, sauvegarder des, des sketchs, pardon, enfin des, des, des programmes, et de les redérouler plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais moi, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser mon éditeur de texte. Donc, j'ai téléchargé p Donc, pour le télécharger, on va là. Euh, on télécharge le truc complet. Quand on le télécharge, ça finit par nous euh, donner un dossier. Dans ce dossier, vous avez un empty example, et dans ce empty example, vous avez un sketch.js, et ce sketch.js, c'est là où il va falloir que vous remplissiez votre code. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Euh, pourquoi est-ce que j'utilise ça C'est que euh, vous l'avez certainement remarqué depuis tout à l'heure. J'ai quelque chose qui me met, euh, qui me met directement là, par exemple, euh, au... à chaque fois que je sauvegarde, boum, ça me reformate directement mon texte avec mes préférences à moi, euh, sachant que par exemple dans les préférences. En JavaScript, on peut mettre des points virgules à la fin des, des phrases, mais ça n'est pas nécessaire. Et moi, si c'est pas nécessaire, bah, j'aime pas. Donc euh, ça dégage. Euh, ça me met automatiquement des espaces entre euh, les trucs. Euh, ça me, euh, euh, par exemple, si on a ça, enfin bref, ça fait tout un tas de choses que je trouve assez pratiques. Et euh, je ne me souviens plus de comment s'appelle ce, ce plugin, mais je pourrais vous le redonner. Je crois que c'est prettier, euh, prettier. Je pense. Ça doit être un truc qui s'appelle comme ça. JS... VS code, VS code, Voilà, vous tombez là-dessus et grosso modo, vous fabriquez votre norme à vous et à chaque fois que vous sauvegardez, ça reformate exactement le code comme vous, vous, vous souhaitez l'avoir. Quel est le formatage qui vous convient quoi. Et j'ai utilisé un autre truc qui s'appelle Go Live et Go Live, vous allez voir ce que ça fait. Donc là, si je tape Go Live. Euh... Live Server, voilà. C'est le live server que j'ai installé. Et live server c'est fait quoi Ça démarre un serveur HTTP, un serveur web, en se basant sur le répertoire par défaut. Donc là c'est ce que je vais faire. Je fais go live. Ça démarre un serveur HTTP. Donc là, dans mon serveur HTTP, bah, il me propose de naviguer dessus. Et donc j'ai mon fichier P5, j'ai mon répertoire empty Et mon répertoire empty, lorsque je le lance, et eh ben ça m'a... Quand je regarde le code HTML de ça vous voyez que j'ai ça comme code HTML ici et finalement en fait, c'est le code HTML que j'ai à l'intérieur euh, là-dedans là. Dans l'une des frames, bref, on s'en fiche. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, à chaque fois que je vais modifier du code ici, ça va recharger directement cette fenêtre. Donc ça me permet de faire du live programming de façon assez efficace. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais faire Je vais ouvrir ma console au cas où il euh, y ait des erreurs. Je vais mettre mon en plein écran je vais les mettre l'une à côté de l'autre j'ouvre mon sketch et là on va commencer à coder tranquillement quoi donc je commence à coder donc là je vais faire un create canva create canva donc on va dire en 800 par 600 et puis là je vais dire que mon background mon background va être bleu vous voyez que là directement, euh, à chaque fois que je sauvegarde, ça me, ça, ça me met à jour mon truc là. Par exemple, si je fais 255, sauvegarde, et là ça a rechargé ma fenêtre et ça me l'a mis en violet. Donc ça c'est un truc qui est assez intéressant lorsqu'on programme euh, des trucs graphiques, à avoir un rechargement à la volée de ce qu'on est en train de taper pour essayer de sentir les choses et tout, c'est assez pratique. Donc ce que je vais faire là, donc euh, du coup, je vais commencer à faire euh, ma fonction qui va essayer de me dessiner directement mon, euh, mon, euh, mon, euh, mon, mon jeu. Quoi. Donc, ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle euh, euh, ellipse. Et la fonction ellipse, c'est ce qui me sert à dessiner des cercles. Donc, essayons de dessiner un cercle. 0, 0 et de rayon 100. Vous voyez que ça me l'a dessiné ici. Donc en fait, les coordonnées x, y sont les coordonnées du centre euh, de, mon, euh, de mon cercle. Là par exemple, si je me mets au milieu de mon écran, donc en 400, 600. Non, 400, 300, pardon. Puisque j'ai une fenêtre en 800, 600, bah, je dessine mon cercle au milieu. Et si je mets un rayon de 300... Non, de 600 Ah oui, en fait là, pas le c'est pas le cercle de l'ellipse, c'est le diamètre de l'ellipse. D'accord Et ça peut être une ellipse parce que euh, sa largeur et sa hauteur peuvent être différentes. Par exemple, si je mets euh, 800 de large et 600 de haut, vous bah, voyez que ça me fait bien une ellipse. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux dessiner des ronds. Donc, je vais dessiner des ronds, donc euh, là je suis content. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je veux dessiner un rond. Donc comment est-ce que je fais pour dessiner un rond en haut à droite euh, de rayon, euh, de rayon euh, 50 quoi Donc pour dessiner un cercle en haut à droite de rayon 50. Alors, si je dis que mon euh, radius... Radius... Il est de 50. Et que euh, j'ai... Euh, mon x il est en 0 et mon Y il est en 1 en 0 aussi, pardon. Donc ce que je veux c'est dessiner un cercle ici. Alors qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Il va falloir que je fasse un truc du style euh, x fois radius, je pense. Y fois radius et euh, x plus 1. Non euh, alors attendez, attendez. Euh... Euh... Je regarde un peu mes notes là que j'avais prises. Attendez. Alors attendez. Là je veux dessiner... Attendez. Je vais dessiner en zéro. Si je fais radius... Voilà. Ah oui, non, mais évidemment, parce que c'est euh, le, le deuxième paramètre, c'est pas le rayon, c'est euh, le, le diamètre que je dois lui donner. Donc, si je fais un truc, fois, Donc, je crois que si je fais un truc genre comme ça, et 2 fois y plus 1. Donc, vous voyez, c'est quand même assez pratique d'avoir en temps réel ce qui se passe. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler en x vaut 1. Vous voyez, ça m'a dessiné un autre truc. Donc là, je vais faire une fonction qui s'appelle draw circle. Draw circle. Circle. Donc ça prend x, ça prend y. Et ça va me dessiner ça. Hop. Donc si je dessine un cercle en 0,0, je l'ai là. En revanche, si je dessine mon cercle en 1, 0, donc juste à côté, ça me dessine bien ça. Ok. Donc là, pour l'instant, on est plutôt bon. Et ce que je veux, c'est lui dire, bah, euh, lorsque j'ai euh, des couleurs, là, je veux le, le colorier en, euh, en 0, 1 ou 2. Donc en fait, lorsque je colorie avec la couleur 0, donc là, je vais dire que c'est C, c'est la couleur. Lorsque je dessine avec la couleur 0... On va faire un truc comme ça, on va mettre des couleurs, Colors. Donc je vais dire que les couleurs par défaut, ça va être la couleur euh, donc du blanc, c'est 255, 255, 255, 255. Ok. Je vais dire que mon player 1, lui, il dessine en euh, rouge et mon player 2, il dessine en jaune. Donc, pour changer la couleur du, euh, de notre bazar, il faut que j'appelle la, la fonction fill. Et la fonction fill, elle a trente-trois paramètres. Donc, la fonction fill, elle attend trois paramètres. Donc, là, c'est colors, crochet, 0, machin. Hop. Vous voyez que j'ai. Euh... Là en fait, la couleur 0 c'est quand le, la case elle est vide, et puis quand la case elle est remplie par une pièce rouge, bah, je, euh, je la colorie avec la couleur 1, et la couleur 1 c'est du rouge. Et puis lorsque euh, c'est avec une pièce jaune, je la colorie en jaune, et pour le faire, bah, euh, je, je prends le deuxième paramètre de, de, de mon truc. Il euh, y a un autre truc que je vais faire pour rendre ça un petit peu joli aussi, c'est que je vais leur mettre des contours. Je vais mettre des contours au, à mon cercle. Alors ça fait un truc assez chouette. Alors, attendez, un contour de 5. Euh, je crois que la méthode, elle s'appelle stroke wait. Weight. Stroke weight, c'est quelque chose. Alors attendez. Stroke weight ça me permet de faire un, une bordure. Une bordure autour de mon cercle. Là par exemple, stroke weight, quand il est à, à 0, bah, vous voyez que ça m'affiche ça m'affiche pas un petit, un petit contour. Quoi. Donc là je veux dire que je veux un contour. Et mon contour c'est with. Et donc comme j'ai du weed, il va falloir que... Oh, attendez, je vais mettre ça en un peu plus gros. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir ici diminuer le weed. Ok, et là, euh, là... Là, 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 là. là. Euh, bah, du coup, on est bien là déjà. Puis je vais peut-être pas appeler ça weed, je vais peut-être appeler ça width. Plutôt que weed. Ok. Donc là, je remets ça sur une valeur un peu plus petite. Et, euh, et puis maintenant, je vais déclarer un double tableau. Et mon double tableau, euh, je vais mettre toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. Donc, donc là, mon tableau de jeu, donc ça va être un board. Euh, le board, il va être constitué d'un euh, tableau. Alors, attendez. On va dire que. Donc mon plateau, euh, mon plateau de jeu, en fait, quand je fais un puissance 4, sa largeur, elle est de 7. Il y a 7 colonnes. Dans un puissance 4 traditionnel, et il y a 6 lignes. Et puis moi je veux dire que, euh, que euh, une ligne, enfin, et je veux dire qu'une pièce, je vais appeler ça size. Je vais dire que ça fait euh, 100, 100 pixels de... Non, peut-être pas 100 pixels, 20 pixels de large. Donc, si je fais ça, ça voudra dire que je veux une surface d'affichage qui sera en mode bord w. Board S, donc ça c'est la largeur d'affichage. Ma hauteur d'affichage c'est board H fois board S. Ok, donc, je vais peut-être pas mettre 20, je vais peut-être mettre plutôt 100. Du coup, ok, donc là on est plutôt bon. Et, euh, et ici, le radius, du coup, c'est euh, S divisé par 2. Ok. Je vais essayer de toutes les mettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'essaye de voir si ça me remplit bien tout. Vous voyez, donc là, j'ai bien rempli euh, tous les trucs. Et puis euh, là, je fais un for euh, let i est égal à 0. i inférieur à board 8 plus plus i. Juste pour voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez déjà, on a bien réussi à calibrer toutes les pièces euh, au bon endroit. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, les pièces, elles aient euh, la couleur de ce qu'il y a dans mon tableau de pièces. Donc, mon tableau de pièces, je vais le créer par défaut. Donc, moi, je vais faire une fonction qui s'appelle reset. Merci Brokenheart pour ton euh, follow. Je vais une fonction qui va s'appeler reset board. Euh, et ma fonction reset board, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me recréer un board. Merci Enzo pour ton follow. Euh, donc mon board, on va dire que initialement il est à nul. Voilà un moyen d'utiliser du nul. Et puis là, je veux dire que mon tableau, je vais faire un double tableau. Je vais dire qu'il y a autant de. de... Donc comment est-ce que je vais faire Je vais d'abord créer les lignes et après je vais créer des colonnes. Donc pour pouvoir faire ce truc-là, je vais dire que board. Alors pour, pour créer un tableau avec une taille n. Euh, C'est assez simple, on fait un truc du style. Euh, on peut faire un truc genre new array. Et, et on va le fil avec un new array. Qu'on va fil avec une valeur 0. Vous vous souvenez que euh, lorsque je fais un new array. Alors attendez, je vais, je vais vous montrer dans la console ce que ça donne. Lorsque je fais un new array de 10, ça me crée un tableau avec 10 items. Mais si je le file. Avec des zéros, bah ça me crée un tableau avec euh, 10, euh, 10, euh, 10 cases, toutes remplies avec des zéros. Moi ce que je voudrais c'est un tableau de 7. Okay je veux 7 lignes. Non, je veux 6 lignes, pardon. Je veux 6 lignes. Okay Mais je veux que sur chacune des lignes, j'ai un autre tableau de 7 colonnes. Et qu'elles sont remplies qu'avec des zéros. Et vous voyez que là, ça me fait bien. Euh, donc j'ai bien une. Une, deux, trois. 5, 6 lignes, et sur chacune des lignes, j'ai un tableau qui contient bien cette valeur, et c'est cette valeur, c'est ce, la couleur par défaut qu'il y a à l'intérieur. quoi <laughs> Merci Enzo, merci pour ton encouragement. Donc, nous on a dit qu'on allait faire ça. Donc, dans mon tableau par défaut, je lui dis que. Alors là, on a dit que c'était pas 6, que c'était board H. Donc là, c'est board W. Donc là j'écris mon tableau et ce que j'ai envie de faire c'est de me dire bah à chaque euh, tour de boucle bah moi je vais essayer de voir quelle couleur il y a euh, à cet endroit là en fait. Donc je vais faire un draw circle, donc ici c'est plus des i ce sont des j là c'est plus des h ce sont des w. Et qu'est-ce que je veux faire C'est à la euh, donc là on avait dit que c'était des x et des y donc x et j. Et donc qu'est-ce qu'il y a à cette case Donc sur cette ligne, à cette colonne, qu'est-ce qu'il y a comme couleur Là par défaut, j'ai la couleur blanche. Ça n'a pas marché. Et vous voyez ici, là, j'ai euh, ouvert la console et ça me dit que j'ai une erreur ligne 35. Et l'erreur ligne 35, c'est une sorte de segfault. Ah oui, évidemment, j'ai pas fait de reset. J'ai pas fait de reset board au démarrage, donc du coup, euh, dans le board, il n'y a, a rien du tout. quoi. Et maintenant, dans le board, imaginons que par défaut, dans le board, dans la colonne, euh, dans la colonne, dans la colonne quoi Dans la colonne, euh, à la ligne, à la ligne 6, colonne 0, je vais dire que je vais mettre une pièce rouge, donc en bas à gauche. Donc là, la pièce rouge, on dit que c'est un 1. Et puis, dans la ligne 6, colonne 1, je vais lui mettre un jaune. Ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit ça Ok. Undefined, not object, machin, board, crochet, bidule. Euh, ah oui, oui, c'est pas à lundi l'indice 6, c'est lundi l'indice 5. Parce que euh, le tableau, il, il a que 6 lignes, donc euh, le, la dernière ligne, c'est l'indice 5. Ok, donc c'est presque ça, mais ça n'est pas ça. Euh... <laughs> Qu'est-ce passe-t-il euh, Attendez, attendez. Deux petits secondes, il faut que je réfléchisse un, un poil. Ce qui est troublant, c'est que tout soit en rouge et en. Euh... <laughs> On dirait que ça ne le prend pas en compte en fait. Attends, est-ce que là j'ai bien des i Ok, là j'ai bien des j Ok. Deux secondes. Je vais juste changer ça même si ça ne va Ok. Pourquoi est-ce que ça me met des 1 dans tous les trucs en fait 1 ah En fait je sais... C'est que euh, à chaque ligne du tableau, j'ai mis exactement le même tableau. Je pense que c'est ça. Attendez, je, je vais juste vérifier un truc. Si je fais board égale ça, vous voyez qu'en fait là, des, euh, des, des lignes, on en a créé que 6. je regarde. Ah oui, mais ça, ça la remplit euh, rempli avec le même tableau. Ok, j'ai compris. Donc là, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va faire un autre truc, on va faire un map. Hop. Ok. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passait C'est que sur chacune des. Euh, des euh, là, le new array, euh, en fait, ce truc-là. Ce truc là ça va créer un tableau donc ça va en créer un seul et, euh, et ça va mettre exactement le même le, le même le même tableau sur toutes les lignes donc dès, je vais, dès que je vais changer une case ici ça va la changer partout parce que c'est exactement le même tableau sur toutes les lignes moi ce que je voulais c'est six tableaux différents sur chacune des lignes donc euh, j'ai remplacé mon fil par des maps enfin bref on s'en fiche quoi et si on de voir un peu je vais essayer de, de mettre un peu de comment de je vais essayer de faire un truc comme ça pour qu'on y voit peut-être un peu plus clair. Ok. Vous voyez que là, en fait, qu'est-ce que je fais je crée, un je crée un tableau. Et qu'est-ce que je fais Je lui dis que sur chacune des lignes de mon tableau, eh ben, je veux créer une nouvelle, un nouveau tableau. Et euh, sur chacune des, euh, des lignes de mon nouveau tableau, je vais créer un nouveau zéro. Enfin bref, là, je suis sûr que je vais appeler... Euh, si création... De... Enfin, je vais appeler... Euh, Board H, euh, nouveau tableau, ça j'en suis sûr quoi. Donc là j'ai bien mis. J'ai bien mis une. Euh... J'ai bien mis une. une euh... <laughs> le player rouge il a bien mis une pastille là en haut à gauche. Et puis le, le player jaune il en a mis une juste en dessous. Donc euh, ce que je veux faire c'est que lorsque je clique dans l'interface, je veux que le prochain joueur mette une pièce. Donc pour essayer de récupérer euh, où est-ce qu'on clique dans l'interface. Il faut déclarer une fonction qui s'appelle mouse -click, un peu à la manière des poll events dans CSFML, et puis on va faire console log de tout ça, de cet événement. Okay. Donc regardez un peu ce qui se passe. Je vais cliquer ici, et à chaque fois que je clique, vous voyez, là il y a une nouvelle ligne qui se passe. Donc là, il me dit en fait que au moment de cliquer, j'ai cliqué à un endroit, et en fait l'endroit où j'ai cliqué, euh, si on regarde le client x et le client y, c'est le pixel sur lequel je clique. Donc là, vous voyez que lorsque je clique là, je suis sur un client X et un client Y très petit. Et puis là, je vais me retrouver sur un client X proche de 800 et un client Y proche de 0. Proche de 700, pardon. un client Y proche de 0. Ici, je me rapproche du pixel, bah, du coup 600 en Y et 0 en X. Et là, sur le pixel, 700X et euh, 600Y. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je clique... Dans euh, ce event, j'ai un client X et un client Y qui me per permet de savoir où est-ce que je clique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle colonne je suis en train de cliquer. Donc pour savoir dans quelle colonne je suis en train de cliquer, c'est le client Y qui va être intéressant. Parce que ce client Y, si je le divise par board S, euh, oui, si je le divise par board S ça va me donner un nombre compris entre 0 et, euh, et 7. Okay. Donc là j'ai un chiffre qui est compris entre 0 et 1 parce que je suis dans cette première case, entre 1 et 2 parce que je clique dans la deuxième. Non. Non c'est client X, pardon. Ok, donc là sur client X, j'ai bien un chiffre compris entre 0 et 1. Là j'ai bien un chiffre compris entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. etc. Et moi je veux récupérer du coup quel est l'entier qui se situe juste en dessous de cette division. Donc je vais utiliser une fonction Math MatFloor ça prend quoi Ça prend un nombre un nombre à virgule et ça l'arrondit à son entier directement inférieur donc vous voyez que là je suis en train de cliquer dans la colonne 0 là je suis en train de cliquer dans la colonne 1 là je suis en train de cliquer dans la colonne 2 3 etc donc ce que je vais faire à chaque fois que je clique dans quelque chose je vais insérer une euh, un jeton dans cette colonne là euh, si possible et puis après je vais changer de player donc euh, à chaque fois que je clique sur ça donc je vais faire euh, play at ok et la fonction play at qu'est ce qu'elle va faire play at elle elle prend une colonne sur laquelle j'essaye de, de jouer et je vais essayer d'ajouter une pastille de la bonne couleur donc là on va dire que le player en ce moment c'est le 1 donc à chaque fois que je vais faire un play at eh ben je vais changer de player donc quand le player est 1, bah, on, on repasse sur le player... Euh, alors attendez. If player... En fait, si je fais 2 moins... Ça c'est possible ça Non. Euh, si... euh... If player égale 1... Alors player... L'idée c'est que quand je suis le joueur 1, bah, je veux que ce soit le joueur 2 euh, au prochain coup et sinon bah c'est que j'étais le joueur 2 alors à ce moment là je, remets, euh, je redis que c'est re-joueur re 1 de jouer ok donc ça, ça me permet de changer le joueur en cours de, en cours de route et maintenant ce qu'il me faut il faut que je réussisse à calculer euh, la row en fait la row sur laquelle j'essaye de jouer imaginons que par défaut je dis que c'est la row 5 ok donc, du coup je vais faire board row crochet colonne égal player. Donc par défaut le nouveau player, il va jouer sur cette ligne-là. Alors, imaginons que je vire ce truc. Imaginons que dans le reset dans le reset, ça me dit que c'est le player 1 qui joue et si on cliquait donc là je clique là, ça me rajoute un truc ici, je clique là, ça me rajoute un jaune, je clique là, ça me rajoute un rouge, je clique là un jaune, un rouge, un jaune à rouge et ce que je voudrais là c'est au moment où je vais cliquer ici bah, je ne veux pas que ça remplace. Il faut que je trouve la bonne row. Donc là, par défaut, je l'ai fixé à 5. Mais pour pouvoir trouver la bonne row, il va falloir que je puisse euh, faire un petit calcul. Donc, pour faire ce calcul-là, il va falloir que je parcours euh, fort. Euh... Alors, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dessus euh, Je vais parcourir toutes les. Donc, je dis par défaut. ça là let ro est égal à board board 8 ok puis là je vais avoir un while très certainement while ro supérieur ou égal à 0 et en fait je vais essayer de regarder à partir de quand euh, à partir de quand je quitte mon truc quoi hein. moins égal 1 if ro alors si mon ro il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que je peux jouer. Donc ce que j'essaye c'est d'identifier la, euh, la, la bonne row. Donc par défaut j'initialise row à, euh, à 6, je le décrémente pour être sur le 5 directement. Et puis j'essaye de voir si euh, board de row crochet colonne. Si ça c'est égal à 0, bah, je sors de ma boucle en fait. Si ça c'est égal à 0, bah, ça veut dire que j'ai euh, un emplacement vide à cet endroit-là. Donc du coup, je sors de ma boucle et j'ai trouvé mon row. Sinon, je décrémente mon row jusqu'à tomber sur un euro négatif. Et si je tombe sur un row négatif, ça veut dire que je ne peux pas jouer à cet endroit-là. Il faut que je clique ailleurs. Donc essayons de voir. Hop, hop. Vous voyez là je, là, je continue de cliquer. Je clique. Et là, si je reclique, vous voyez le joueur rouge, il n'a pas réussi à euh, s'évaluer. Donc là ça m'a donné une erreur ligne 21 donc ça me dit effectivement parce que rho il est négatif donc là je vais mettre un trou en fait trou ici if rho inférieur à 0 là je fais un break c'est si rho est inférieur à 0 ou alors si on est là recommence donc si, je vais décrémenter mon row et si mon row est inférieur à 0 ou alors si le, la, le, cette cellule là elle ne contient aucune pièce alors je break et au moment de break bah, si mon row il est positif ou, euh, ou nul bah, ça veut dire que j'ai réussi à en trouver un et du coup je peux jouer cette pièce là sinon si il a été négatif c'est à dire que je peux pas jouer à cet endroit là donc essayons de faire donc je clique 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 donc le prochain clic le rouge ne peut pas jouer ici donc j'ai cliqué une fois ça n'a pas marché donc c'est toujours à rouge de jouer et donc rouge il joue ici Clic 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 rouge il peut jouer là enfin euh, bref et maintenant il faudrait rajouter euh, faudrait rajouter une condition de sortie quand je clique là ça m'ajoute euh, ça me dit que rouge a gagné et puis ça termine la partie là je vais pas faire ça maintenant mais euh, voilà euh, tout ça pour vous dire euh, comment est-ce qu'on peut commencer à faire euh, très facilement euh, une interface graphique en utilisant un langage qui finalement n'est pas si complexe à prendre en main, en utilisant une librairie que finalement on a très peu manipulée pour pouvoir manipuler la librairie, la p J'ai utilisé le setup, le draw, la fonction background qui, enfin euh, la fonction canvas qui me fabrique une zone d'affichage. Et en fait, à chaque tour de boucle, j'ai mon draw qui va être appelé. Donc à chaque tour de boucle, on va effacer tout en bleu et puis on va parcourir l'ensemble de mon board ici et puis on va voir si euh, dans cette case là dans mon, dans, dans mon board, est-ce qu'il euh, y a un 0, un 1 ou un 2? Donc est-ce que la case est vide ou alors est-ce que c'est le player 1 ou 2 qui a joué dedans Et selon que ce soit le player 1 ou 2 qui a joué dedans, bah, on affiche la bonne couleur. Et puis j'ai récupéré les clics du souris euh, de, de l'utilisateur en récupérant euh, le client tick sur lequel il a, il a cliqué, en divisant ça par la taille d'une colonne. Ça me permet de savoir dans quelle colonne je suis en train de cliquer. Et en regardant dans quelle colonne je suis en train de cliquer, j'essaye de voir à partir d'où je peux insérer une pièce dans cette colonne. Là, lorsque je fais tomber ma pièce avec la gravité, où est-ce que ma pièce va finir par tomber Et donc euh, voilà un petit peu euh, comment est-ce qu'on peut réaliser ça en utilisant du JavaScript. Donc euh, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment euh, si le sujet vous a intéressé d'aller voir euh, pipvive.js.org euh, oui .org, euh, et de regarder le Getting Started. Vous allez avoir vraiment euh, différents exemples qui vont vous montrer un peu euh, comment euh, mettre en place euh, vos trucs. Donc là, on crée notre board euh, très simplement, on crée une ellipse, et puis euh, finalement, là vous voyez avec ce bout de code, là on arrive à faire un truc assez chouette. Euh, là, on, je vais copier-coller leur code à eux. Editor, j'aurais peut-être dû commencer par ça en fait en premier. Vous voyez que là en fait, à chaque tour de boucle, Là, vous voyez qu'il n'est pas en train de faire un background par défaut. Donc, par défaut, toutes les images vont se réécrire les unes par-dessus les autres. Et en fait, on va regarder où se trouve la souris. Et on va dessiner euh, un rond qu'on va remplir de blanc ou de noir suivant que notre souris est euh, cliquée ou pas. Mais en revanche, ce rond-là, par défaut, il a un contour. Et vous voyez, là, je suis en train de bouger ma souris. Là, je vais laisser ma souris enfoncée. Hop, je relève la souris. Je reclique avec mes souris enfoncés Et vous voyez, là, directement, mais déjà, rien qu'avec euh, trois bouts de code. Euh, on peut ré euh, déjà réussir à faire un petit, euh, un petit truc assez, assez intéressant et puis euh, voilà en tout cas moi ce que je vous conseille c'est vraiment euh, si la partie graphique ou les jeux vidéo ou les choses de ce style euh, vous plaisent bah, allez faire un tour sur p 5 vous allez pouvoir expérimenter mettre en place un peu des idées qui vous passent par la tête voir un peu si ces idées elles fonctionnent pour vous. Et, euh, et puis après, petit à petit, de, euh, bah de, de, de reporter en fait ces idées après dans un autre langage. Euh, on sait par exemple sur des projets euh, que, que vous faites. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Moi, en général, je prototype ce dont j'ai besoin en JavaScript. Et puis au moment où je vois que ça correspond, que l'algo, en, en tout cas, me plaît et que ça va dans le bon sens et que euh, j'ai passé une heure ou deux à le réaliser comme ça, bah directement après derrière. Je regarde ce que j'ai fait en JavaScript et j'essaye de le recoder en C. Et euh, de le recoder en C, ça nécessite de gérer la mémoire en plus, de gérer des structures en plus, etc. Mais on a une bonne vision de vers où on se lance. Là, quand j'ai commencé à coder mon truc, bah je sais que j'ai besoin d'une méthode play, que je vais avoir besoin d'un board, que ce board va être en deux dimensions, qu'il faut que je puisse récupérer l'endroit sur lequel je clique, etc., etc. Donc en fait, au fur et à mesure de mon prototypage, là, en JavaScript, et bien ça me donne une bonne idée de ce que je vais devoir faire après dans un autre langage, peut-être un peu plus complexe. En tout cas, j'espère que euh, cette introduction là au, au JavaScript, là, cette longue introduction au JavaScript euh, de manière générale et à P5JS en particulier, euh, vous aura plu et intéressé. Euh, Dites-moi si vous avez d'autres idées ou d'autres choses que vous souhaitez avoir. Moi, je vais repartir un peu de ça, je vais modifier un peu ce, ce, ce programme et je vais repartir là-dessus pour pouvoir insérer cette intelligence artificielle qui va pouvoir jouer contre nous aux puissance 4. Vous allez voir que c'est intéressant. Bah, déjà, l'intelligence artificielle, moi au puissance 4, je suis hyper la jeu, donc euh, en général, même avec un truc tout pourri, je perds. Mais alors là, autant vous dire que euh, c'est impossible de battre euh, cette intelligence artificielle, euh, surtout quand on joue pas le premier. Quoi. Et euh, on va voir, en fait, il y a ce côté un peu magique en fait, des, des jeux à deux joueurs pilotés par une intelligence artificielle, surtout lorsque c'est nous qui l'avons codé. Mais ce truc un peu magique de se dire, ah ouais, quand même, euh, mes euh, 20 lignes de code, elles arrivent à jouer mille fois mieux que moi et mille fois mieux que n'importe quelle personne autour de nous. Donc euh, c'est quelque chose de, 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 de très intéressant. Bah écoute, Fusioni, c'est euh, quelque chose qu'on peut éventuellement mettre en place et euh, de faire un duel d'IA, c'est quelque chose là. Euh, à partir du moment où je vous donne une interface de programmation, bah, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi imaginer. Donc euh, je note euh, cette idée euh, fusionni euh, très intéressante. En tout cas, je vous remercie. Euh, J'espère que vous avez pu suivre euh, sans euh, trop de difficultés. Et puis, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, ciao, ciao. Merci, merci.